Par une humide nuit d'hiver à Paris, dragons et lanternes apparaissent dans l'obscurité. Dans ce parc de la capitale française, un spectacle illumine la culture chinoise, avec plus d'un millier de lanternes dans les jardins. Ce festival se déroule au jardin d'acclimatation, l'un des plus grands parcs de la capitale française. Le président du lieu affirme qu'il existe un lien réel entre la Chine et le parc. Et puis, le jardin d'acclimatation a ouvert souvent ses portes à la Chine. Il y a eu une dizaine d'années, un grand musée chinois qui est venu, qui a envoyé 300 artistes et 300 artisans ici pendant 2 mois. Nous avons souvent fêté le Nouvel An chinois avec les ambassadeurs de Chine. Et aujourd'hui, ce festival des dragons et lanternes. Il y a un abonnement chinois au jardin d'acclimatation. Ces lanternes ont été conçues par plusieurs dizaines d'artisans experts de Shanghai. Certains d'entre eux ont même déménagé à Paris pendant plusieurs semaines pour préparer l'exposition. Une exposition qui sera ouverte au public pendant un peu plus de 2 mois. La conception et la création de lanternes constituent un patrimoine culturel immatériel de la Chine, transmis au fil des siècles, aujourd'hui exposé ici en France. D'autres exemples du patrimoine chinois ont été exposés pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins jeunes. À quelques semaines de la célébration en janvier des 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine, ce festival met en lumière les liens culturels entre les deux pays.